Tatamayo, Tatamayama Terubunto. Tatamayo, Tatamayama Terubunto. You materoto is Obamae. Baman Saturday be pum pum. Baman Saturday dung a chan charan chan. Bamba la boite et chef d'enton. Naomi? Oui, maman. Ma fille, tu es sûre n'avoir rien oublié? Ma journée d'hier a été tellement difficile. Je n'ai eu aucun client. Est-ce que la famine comprend ça, ma fille? S'il te plaît, maman, je suis déjà en retard. Si avant midi j'ai trouvé un client, je t'enverrai de l'argent par quelqu'un. Ok, chérie. N'oublie pas, ta mère n'a rien à manger. Merci maman, passe aussi une belle journée. Iyawan. Oui, le croco. Croco que poaga mandem web. Bonjour. Bonjour, madame. J'ai passé la nuit à la 205 avec... Ah, c'est vous, madame. Je me demande déjà si vous êtes toujours là. Si, c'est bien moi. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Non, madame. C'est juste que le monsieur m'a chargé de vous dire que tout a déjà été réglé. Et... Allez, c'est pour vous, madame. Je ne suis pas sûre qu'elle soit bonne. Iyawan.
le croco. Croco que poaga mandé mwem. Vite fou mis ben marong denga wabuyo. Ma chérie, tu t'en sors avec ton métier ici? On ne peut pas dire, madame. C'est juste le maintien que je fais. Vous savez, dans des villes reculées comme celle-ci-là, ce n'est pas évident. Tu le sais bien, pourquoi ne pas t'installer à la capitale? J'y ai pensé. Seulement, je ne peux pas laisser ma mère ici toute seule. Mais bon, je réfléchis encore. Je finirai par prendre une décision. Parce que je dois finir ma formation. Si tu veux, si tu es d'accord, quoi, je te branche dans mon réseau de filles de luxe. Avec ça, tu n'auras pas besoin de laisser ton job pour t'installer à la capitale. Tu pourras souvent voyager pour un ou deux jours et revenir avec plus d'argent. Fille de luxe, c'est quoi ce métier? Tu sais, ma chérie, les hommes travaillent tellement qu'ils ont besoin de prendre un verre de temps en temps avec des jeunes demoiselles et très jolies comme toi. Merci, madame. Tu sais, beaucoup prennent soin d'elles-mêmes d'abord, de leur famille, grâce à ce métier. Ma chérie, tu n'as pas trop d'efforts à fournir. Il suffit seulement de donner ton contact et ta photo et tu verras. Ok, madame. Merci pour la proposition. La vie est devenue tellement difficile. Merde! Tu parles, ça fait des jours que je ne parviens même pas à gérer mon boss. Et comme c'est un gars difficile, matière ronde là. Fais comme moi. Quand je n'ai pas sa recette, je me gère propre. Tu sais sur quoi tu cours? Moi, je ne peux blaguer car c'est mon pain quotidien. Mec. On fait tout ça malgré nous. Nous sommes coincés dans ce trou là parce que le boulot est devenu dingue du lion. Avec les recrutements qui ont les yeux, mon frère. Dis-moi, toi au moins tu peux présenter les concours. Tu es intelligent, tu es beau garçon, différent de nous qui n'avons pas assez fréquenté. Tu peux quoi ici? Et tu penses qu'il suffit d'avoir fréquenté pour avoir du travail? Oui. Détrompe-toi, mon frère. Quand tu viens d'une famille de pauvreté comme moi, comme ça là, hein, tu dois te contenter des travaux de pitance, oui. Car ce que nous faisons là, c'est juste pour avoir du manger. Sinon, regarde, combien de laveurs comme toi et moi on aura pu se construire une maison? Mon ami, pardon. Ferme la politique, non? Ferme même la politique, pardon. Je serais content de dire au quartier que voilà mon ami qui est à la télé. Pour faire quoi là-bas? Pour seulement sortir à la télé? Ouais! Anto, on t'a demandé quelqu'un. Pourquoi toi tu ne veux pas? Pourquoi toi-même tu ne veux pas faire la politique? Ça va. Toi-même tu es là, ça te dépasse, c'est moi que tu envoies. Parce qu'il est fréquent. Hey. Les enfants d'aujourd'hui ne respectent même plus les couples de leurs parents. Elle va me sentir aujourd'hui. Cette fille-là. Tout ce qu'elle veut pour moi, là, elle va me Bamba la boîte et chef d'un ton. Ou que tu es, ou que tu es, bamba que tu es, la mande biki la. Mala ou que tu Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai demandé de partir, non? Chérie, Brandé, tu ne peux pas me chasser de chez toi comme une vieille chaussette. On a passé la nuit ensemble et on s'aime. What? Attends. On s'est mis pour qui et qui? Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé. C'était juste pour une partie de Jean Ballet, une histoire d'une seule nuit. Yeah, ouais. Et toutes ces belles paroles que tu me disais, elles ne signifient rien pour toi.
Tu m'as fait tomber amoureuse de toi. Je te croyais pas aussi naïve. Donc tu continues de croire tous ces baratins que les hommes racontent? Écoute ma chérie, les hommes pour arriver à vos pommes de Vénus, Vénus vous racontent tout ce qu'ils veulent, tout ce qui les arrange. Ils créent même un dictionnaire tant que ça leur fait plaisir. Et quand l'objectif est atteint, sors de chez moi, ce que tu aurais voulu. N'importe quoi. Je t'aime. Faut aller vendre ton amour ailleurs, putain. Oui, à la croque. C'est quoi? Parce qu'on aurait le bonjour, tu me donnes, t'as tout un peu discuté avec lui. Je préfère que m'encore une petite qu'à l'humiliation que m'a fait subir ce vieux coup de bonheur. Justement, Madame l'épervier, c'est à cause de ton vieux clou et toi que ma journée est perturbée. S'il vous plaît, arrêtez, je ne veux pas de désordre dans ma boutique. De grâce, j'ai prié aujourd'hui pour que ma journée soit bonne, donc ne la gâchez pas. Ma chérie, tu as raison. Même celui qui ne prie pas chez lui avant de sortir, Dieu est conscient qu'il a besoin d'une bonne journée pour la suite de sa vie. Mais les putes comme celle-ci là, ta pute copine-ci là, on dirait qu'elles ont l'air de tout foudre en l'air. Madame, trouve-toi un homme. Laisse mon mari en paix. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas d'humeur à me discuter avec toi ce matin, encore moins avec qui que ce soit. Si ça peut te rassurer, tu passeras une très belle journée. Ton mari là, il ne me sert à rien. Je dis bien à rien. Ah bon, hein? Et pourtant, tu te sers tous les jours, madame. En tout cas, c'est la dernière fois que je viens t'avertir. Je ne voudrais pas qu'un jour tu regrettes d'avoir connu ce vieux clos là. Parce que là, je t'aurais avisé. Hé, Brenda. Quand on parle de mari, celle-là se place aussi au marché. Un imbécile. Un chien. Qui a passé toute la nuit à me malaxer. Et quand je me réveille le matin, bam! Le bon monsieur était déjà parti. Après l'humiliation de son mari, maintenant c'est à son tour. Vous êtes bien réveillé sur moi ce matin. Hein? C'est... Oui, c'est ça. Tu sais tout. C'est cet imbécile de Bembe. C'est son mari qui me met dans cet état ce matin. Brenda. Tu te rends compte? Cet idiot, cet imbécile, ce bon à rien a passé toute la nuit à me secouer comme un cocotier. Et quand je me suis relevée le matin, l'idiot n'était plus là. Il est parti en laissant 5000 francs. Je dis bien 5000 francs à la réceptionniste pour qu'elle me donne. Et comme ça ne suffisait pas, après m'avoir secoué toute la nuit, il n'a pas manqué de m'afficher. Brenda, je t'ai toujours dit que cette vie ne te mérite pas. Trouve-toi un homme pour toi et laisse les hommes des autres. C'est quoi ton problème? Delia, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Aucun homme ne veut rester avec moi. C'est quelle humiliation ça! Calme-toi. Calme-toi et explique-nous réellement ce qui se passe. Ta copine vient encore de se faire larguer par un autre mec. Je te rappelle que c'est aussi ta copine. Oui, mais qui refuse de les comprendre. Écoute ma copine, les hommes n'aiment pas les filles collantes comme toi. Combien de fois t'ai-je invité à rejoindre mon école pour apprendre à mieux les comprendre et à les rendre fous de toi? Oui, c'est ça. Raconte-lui la misère que tu as eue hier soir et tout à l'heure. Je t'ai toujours dit que cette vie ne te mérite pas. Arrête ce que tu fais. Calme-toi, ma copine, et explique-nous ce qui s'est passé. Adrien ne m'aime pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était mon corps. Maintenant qu'il a pu en avoir, il m'a
m'a chassé de chez lui comme un malpropre. Les hommes, des fins stratèges. Bradley qui était si doux comme un agneau, lui qui courait après toi. Oui, mais il va courir après toi un ou deux ans. Tout simplement parce que ce qui se trouve entre tes cuisses. Mais après l'avoir obtenu, bam, il va te montrer son vrai visage et il va passer à autre chose. Les hommes sont comme ça. Tu devrais te sentir heureuse, ma copine, qu'il a eu à te montrer son vrai visage. Un autre t'aurait laissé dans l'illusion, passer son temps à te pédaler, pédaler et repédaler jusqu'à ce que tu découvres son nouveau dossier. Ah oui. Bienvenue dans le club des espèces. Wow, Anto, tu as déjà terminé? Oui, mais le client n'est pas encore là. Donne-moi 100 francs, je vais acheter le détergent pour la prochaine voiture. C'est déjà 300 francs que vous prenez depuis le matin. Oui, mais quand c'est moi, tu demandes des comptes. Normalement, on devrait avoir des détergents gratuits ici. Puisqu'on partage ça gratuit à la boutique. Tu es un peu le boss, mon frère. Quand je serai le boss, je vous en donnerai gratuitement. Pour l'instant, contente-toi de rembourser. Oui, c'est ça. Patrick. Je me demande ce que tu fais encore ici avec nous. Tu devais être dans un de ces partis politiques à nourrir ces citoyens d'espoir. Que veux-tu insinuer? Pat, les politiciens vendent le rêve. Et tu excèdes dans cet art. Vends même le rêve, on mange l'argent, non, mon frère. Ouais. La politique là, hein, je n'en sais rien. Pardon. Pourtant, en tant qu'intellectuel, tu devrais t'intéresser. Je parle de ça ici tous les jours. Tu fais comme si tu n'entendais pas. Anto, s'il te plaît, on en parle plus tard. Pour l'instant, là, tu vas me distraire. S'il te plaît. Ok, boss. Oui, pardon. Oh, pas de pâte. Le seul boss que je n'ai jamais eu. Gars. T'as pas ce gâteau, arrête de la vendre. Et qui est? Donc c'est à cause de la nourriture que je joue à mon pote. Tu ne veux plus. Tu sais, celui qui refuse à manger n'a jamais vu la famine passer dans une maison, dans le noir où tout le monde dort. Tu es inhabitué. Il ne faut jamais se rappeler pendant la nuit qu'on a passé une journée sans manger. Mon Dieu, tu vas tourner dans le lit là comme un mauvais esprit. Je te dis. ma chérie, voilà, apporte deux jours de 5500, c'est moi qui paye. Une journée payante. Mon frère, c'est la seule chose avec laquelle on part. Merci, mon bébé. Merci. Ah, santé, mon ami. Mon ami, maintenant qu'on est un peu plus posé, tu peux me dire pourquoi tu n'aimes pas parler de politique? Gars, encore toi avec la politique. Pourquoi tu tiens tant à avoir mon avis là-dessus? Gars, nous sommes jeunes. Et explorer de nouvelles choses, c'est pas mauvais. Tu vois, dans un monde où les choses ne changent pas, les hommes politiques au moins se peuvent faire en sorte... Gars, oui. Regarde la petite qui descend de la moto là. Tu la connais? Et qui est? Toi aussi, t'es le gros cœur. Tu sais pas que ça nous aussi de grands se cacher. Tu as demandé si toi tu la maîtrises. Est-ce que tu as demandé si c'est pour l'écran? Moi, je suis pas grand. Ça va, alors je la maîtrise. Mmh. Elle est esthéticienne et elle travaille pour une dame dans un salon de la place. Mais laisse-moi te dire, mon frère, souffre de m'écouter. C'est pas ton niveau. Donc le Yamo est devenu une question de niveau. Comment faire pour la rencontrer? Ok. Elle traîne, après son boulot, elle traîne souvent dans un bar là à côté, là, le bar d'à côté. Elle vient souvent là. Elle est esthéticienne.
Et tous les soirs, elle est au bar. Elle travaille là-bas. Donc quand je dis que c'est pas ton niveau, tu ne comprends pas. C'est une artiste. Elle est mannequin et c'est un peu la star de la ville. Je vois. En dehors de ça, tu sais quoi d'autre de sa vie? Hey. Sa vie politique. Comment tu fais pour te retrouver dans la politique à cet instant précis? On t'a déjà perdu, Anto. Ah, laisse alors. Bonsoir ma fille, qu'est-ce que tu nous as apporté? Maman, il t'est déjà arrivé de te demander comment j'ai passé la journée? En quoi ma question changera ce qui s'est passé en journée ma fille? Fouille plutôt ton sac et donne ce que tu as apporté à maman. Je n'ai rien. Quoi? Ça fait une semaine que tu n'apportes plus rien dans cette maison le soir. Si ça continue ainsi, tu vas aller vivre ailleurs. Vivre où? Ici, c'est chez mon père. Qui était mon époux? Tu te crois où enfin? Tu devrais avoir honte, maman. Pendant que les mamans de ton âge se battent pour chercher à manger pour leur famille, toi, tu es là, tu croises tes bras en attendant que ta fille fasse ton devoir. Tu penses que je ramasse de l'argent en route? Prends n'importe où. Même si c'est dans n'importe quoi, ce que je veux, c'est de l'argent. Il m'arrive parfois de douter que tu sois ma mère. J'ai dû arrêter mes études à cause de ton état de santé. Le travail qui aujourd'hui nous donne à manger, je n'ai pas pu finir ma formation par manque de moyens. Aujourd'hui que tu vas mieux, tu devrais te trouver de quoi te nourrir. Là, je suis fatiguée. De toute ma vie, je n'avais pas encore vu une fille aussi belle que cette fille-là. C'est mon style de femme, vraiment. Je suis pas resté, Pat. Je ne savais pas que tu revenais maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le journal. Le journal, tu attends une nomination? Je dois être informé de tout ce qui se passe sur la scène politique au Cameroun. En passant, tu penses quoi de la politique de Nkunkuma? Ah, s'il te plaît, Anto, c'est pas le moment. Tu m'as dit que la petite, la dernière fois, est au snap tous les soirs. Oui, jeune rêveur. Pour ne pas perdre ma chance, rentre un peu plus tôt aujourd'hui. Attends, donc tu as décidé de ne pas lâcher prise? Serais-tu prêt à arrêter de parler de politique? Pour vivre sous quel espoir, mon frère? Donc tu as tout compris. Ok. Entre, Anto, c'est pas fermé. Mais, on dirait que tu veux un rendez-vous galant. Tu tombes bien. Je vais au snack là et je voudrais que tu m'accompagnes. Mon frère, tant qu'elle est bien, je n'ai aucun problème. Ça tombe bien. Comment tu me trouves? Tu es super élégant. Sauf ce bouton qu'il faut... S'il te plaît, moi. Voilà. Tu penses que j'ai une chance? Tu es super, c'est bien. Est-ce que toi, tu penses que j'ai une chance? Non, super. Ok, on peut partir. Ok. T'inquiète. Naomi, tu ne m'as jamais dit pourquoi tu aimes passer du temps dans ce cinéma. Tu cibles un bon gars là-bas.
C'est la solitude, ma copine. Ma mère ne me laisse pas assez d'espace à la maison. Et du coup, quand j'y vais là-bas, je vois les gens s'amuser, ça me donne la force d'avancer. Qu'est-ce qui se passe avec ta mère? C'est vraiment compliqué à expliquer. Après le décès de papa, elle a vendu tous ses biens pour faire sa vie avec son petit copain sans même penser à mon avenir. Et aujourd'hui qu'il n'y a plus rien, elle me force de travailler pour maintenir son standing de vie d'avant. Et là, je ne peux plus rien pour elle. Et c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai des projets qui me tiennent à cœur. Et pour cela, je dois m'ouvrir à mon propre compte. Et pour y parvenir, je dois finir ma formation. Je n'étais pas au courant de ces parties du Tamsta. C'est vraiment triste. Voilà pourquoi je ne parviens pas à m'ouvrir, vraiment. Gars, tu connais le monsieur ce soir. Si t'es pas appétit, là, nous serons pas ici. Gars, je t'ai dit qu'elle sera là, donc fais gaffe. J'ai déjà soif. Non, attends. Une dernière chose. S'il te plaît, je te supplie à genoux. Pas de politique ce soir. Pas de politique. On est venu s'amuser, mon ami. Amusons-nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Criano. Merci. Vous désirez quoi comme boisson? Une bière du pays ici. Toi aussi. Change de goût. Comment penses-tu conquérir une fille pareille si tu ne changes pas l'attitude? C'est toi qui payes. Une bière du pays, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que tu prends. La même chose que lui. Venez, ma voisine. Tu sais, pour séduire une fille pareille, il faut élever le niveau. Chacun ne fait que la dimension de son portefeuille. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Vous êtes très séduisantes. Merci, vous aussi, vous êtes très élégantes. Hey, excusez ma maladresse, s'il vous plaît. Vous êtes accompagnée? Oui, mais je pense que nous sommes venus plus tôt que prévu. Ah, dommage. Puis-je vous inviter à ma table? En attendant qu'ils arrivent. Merci. C'est par là, madame. Et vous, par là. Merci. Après vous. Lui, c'est mon frère et ami Patrick. Enchanté, madame. Ça voilà. Ton ami, elle est la timide. C'est quoi, il n'est pas habitué à ce milieu-ci? Non. Il est juste très réservé. Dis-moi, tu es en couple? Depuis ce matin, je suis seule. Ah, ça tombe très bien. Je suis à la recherche d'une fille pour une relation vraiment sérieuse. Qu'entends-tu par relation sérieuse? Mais, une relation pour aboutir au mariage, bien sûr. Les hommes. En tout cas, continue toujours à chercher. Naomi, tu es très belle. Comment faire pour ton ami? Merci, mais que veux-tu dire? Tu me plais bien. Je voudrais que tu me donnes la permission de penser permanemment à toi.
Arrête-moi ton baratin de Bourgos là. C'est comme ça que tu penses à toutes les filles que tu ne connais pas. Bref, pour le moment, je ne voudrais pas penser à autre chose que mes projets personnels. Je pourrais t'accompagner dans ces projets, si tu veux bien. Je pense que là, on se plaisante. Tu fais dans quoi? Tu risques d'avaler ta langue. Monsieur ne sait pas dans quoi il fait. Et comment comptes-tu m'accompagner dans mes projets personnels si tu ne sais pas dans quoi tu travailles? Bref, monsieur, on ne cherche pas le fond des bouches. Je me débrouille dans la vie. Tu te débrouilles, c'est-à-dire? Déjà, mais n'était pas mon genre. Non. Et en plus, toute femme aurait besoin d'un homme qui soit capable de prendre soin d'elle. Donne-moi une chance de faire changer d'avis. Elle ne se prend pas pour dire français là. Au point de me narguer en me faisant comprendre que je ne peux rien lui donner. Non, ce n'est pas moi. Quelle beauté. Je dois à tout prix la conquérir. Et ce, par tous les moyens. Oui, on verra qui aura le dernier mot. Mince, une fille ne m'a jamais fait ça. Et elle ne sera pas la première, car j'obtiens toujours ce que je veux. L'état d'une personne qui a eu une nuit agitée. Tout dépend de comment tu définis nuit agitée. Bonjour Jélia. Bonjour ma copine préférée. Le sourire là, sans dire autant. Laisse chauffer. Tu m'expliques ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Perfection qui dort au boulot. Incroyable. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. C'est quoi? Il pleuvait dans ta chambre. Ah, je vois. Tu as suivi la rediffusion du débat politique qui s'est passé. Non, ce n'est pas ça. J'ai passé la nuit à penser à Naomi. À me tourner sur mon lit comme mauvais esprit. Gars, on a encore besoin de toi. Cette fille est une fille de joie. Et tu ne peux pas supporter ce rythme de vie. Tu veux une crise cardiaque? Anto, tu ne sais pas ce que je ressens. Et sur quoi tu te bases d'ailleurs pour dire que c'est une fille de joie? Ce sont des filles faciles. Écoute. Tu vois sa copine Gilles là? On a passé la nuit ensemble. Oui. Je l'ai sondée par rapport à Naomi et elle m'a dit qu'elle a des projets très grands. Elle doit s'occuper de sa mère. Elle doit finir de fréquenter et prendre soin d'elle. Et tu crois que ça va être ce que tu gagnes comme laveuse, c'est que tu vas prendre soin de cette fille?
Garde, trompe-toi. Tu as passé la nuit avec sa copine? Oui. C'était même plutôt facile. Elle a désespéré celle-là. Quand elle entend relation sérieuse, son corps vibre. Et en passant, tu peux aussi l'angoisser et prendre ta part. Elle est devenue mourir pour une histoire que tu sais que c'est un échec. Tu es quand même terrible, Anto. Tu me demandes de coucher avec une fille avec laquelle tu as passé la nuit. Ne sois pas naïf. C'est ce qui se fait entre mecs. Écoute, elle ne représente rien pour moi. C'est seulement une histoire de ping-pong quand je me soulageais. Et tu peux aussi faire pareil. Tu vois de quoi je veux. Non, je ne me concerne pas. Et elle le sait ça. Je m'en fous. C'est pas mon problème. Donc tu prends l'enfant d'autrui, tu couches avec elle, maintenant tu me donnes. Elle m'a échangé. Va travailler en tout. C'est pas possible ça. Et si tu me donnes, donc c'est devenu quoi? Le rallye. Moi c'est Naomi ou rien. Naomi ou rien. Tu ne m'as toujours pas dit comment était la nuit le gars d'hier. Tu parles de quel gars? Maman sournoise. Tu veux dire que tu as oublié l'ami d'Anto? Le gars avec une chance n'a rien. Donc tu as même déjà retenu son prénom? C'est normal. Nous avons passé un moment à crier. Jelia, ne me dis pas que... Non. Tu es forte, ma copine. Je te donne mes mains. Tu crois que j'allais résister à ça? Tu as vu le gars? Il est canon. En plus, il envisage quelque chose de sérieux avec moi. Et comme le mot sérieux est sorti, tu as oublié qu'il fallait attendre un peu pour te lancer. Ce qu'on a fait hier, si on le faisait dans un an, ça change quoi? On s'aime. J'espère juste que tu ne viendras pas me voir pour te consoler comme toutes les autres fois. En plus, on ne parlait même pas de moi. L'autre gars là, j'ai vu la façon dont il te regardait. Il ferait tout pour te mettre dans son lit. Celui-là, il peut toujours courir. Hein. Naomi, c'est le genre de mec que toutes les filles aimeraient se taper. Dommage, il me voyait même pas. Un gars beau avec des couches vides. Sérieux. En plus de ça, il ne sait même pas dans quoi il fait. Pourquoi tu ne donnes pas une chance? Tu sais, j'ai pas envie de me lancer dans une relation qui va me ralentir. Comment ça? On ne sait comment le lendemain. Moi, je vis aujourd'hui. Laissons demain là où il est. Naomi, tu es notre copine. Tu es toujours en train d'écouter nos histoires d'amour. Jamais tu ne racontes tes histoires d'amour. Dis-moi, tu as un amoureux secret ou un gars que tu veux pas nous présenter? Tu as décidé de parler de tout ça ce matin. Je ne suis pas dans ces histoires. Et j'ai pas besoin d'une aventure qui va me ralentir dans mes projets. Ça craint. J'espère que tu n'es pas amoureuse de moi en secret. Bam, bam. Voilà la tête qu'elle fait, qu'elle vient encore de se faire larguer par un mec. Dabla, ma chérie. Ok. Ce n'est pas un souci. Je suis toujours prête à t'accueillir dans mon école pour une formation de courte durée. Ah oui, on voit comment la formatrice se fait briser à chaque fois dans ses relations. Naomi, je suis tellement positive ce matin que rien ni personne ne peut me cacher ça. Comme tu veux toujours m'accueillir dans ton école de formation, dis-moi, pourquoi tu préfères les hommes mariés aux célibataires? Tu vois, c'est moins exigeant avec les hommes mariés. C'est des rencontres et des appels qui ne durent pas. Les hommes mariés ne te mettent pas la pression. Quand vous vous voyez, chacun prend son pied. Pas de bavardage et commentaires inutiles. Et la meilleure, ce sont des très bons farouteurs. Et pam pam, tu peux te taper un autre mec qui va te... j'espère que tu vois de quoi je veux dire. Alors là, j'ai eu ma dose pour la journée. Toi tu la fermes. Tu cherches quoi dans nos histoires d'amour?
Pourtant, les tiens, tu les gardes toujours pour toi. Raconte-moi, mon chéri. Bonjour. Bonjour. Hey, Delia, c'est ça? Je suis Patrick. L'ami de Anto avec qui on était hier. Ah, je vois. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi, ça va? Tranquille. Je cherche Anto. Wow, tu es laveur de voiture. Et bon, c'est mieux que de rester à la maison et ne rien faire. Ah oui, merci vraiment de me comprendre. Je ne savais pas comment tu allais le prendre. T'inquiète pas pour moi. Je doute juste que ma copine puisse avoir une quelconque relation avec toi dans ces circonstances-ci. Pourquoi mettant l'accent sur le matériel? Faudrait la comprendre. Elle doit s'entretenir. Et ce n'est pas avec toutes ces belles paroles d'amour qu'elle pourrait prendre soin d'elle. Sois réaliste. Je vois. Je te promets, je me battrai pour elle. Je pourrais même déplacer les montagnes pour elle. Toutes les montagnes. Faudrait vraiment pas être trop sûr. Mais comme tu insistes, vas-y. Mais tu connais ma copine. D'ailleurs, je vais te faire une surprise. Tu peux m'indiquer où se trouve son salon. Oui, tu vas prendre la voiture là. Anto, il est là. C'est même pas loin, je vais là-bas à pied. Anto, il est là. Tu peux y aller. Il est assis là-bas. Ok. Le bama la me mumar la rep kendem.